tout le monde. Merci d'être déplacé pour venir fêter avec nous autres le début de la semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées. Ici, à l'atelier, on est un atelier de travail protégé pour des personnes vivant avec un handicap intellectuel. Les participants, moi je les appelle les participants parce que c'est eux autres qui participent aux vies de l'atelier. Ils viennent à l'atelier, on est présentement 20 participants qui viennent ici à chaque jour travailler. On parle de travailler, juste le fait de se préparer, se lever, s'habiller, se laver, ça fait déjà partie du début de travail qu'on a à faire. C'est donc les participants arrivent ici contents d'être ici parce qu'ils viennent de travailler. Ils sont très vaillants, on voit ici à tout l'entretien intérieur. Quand on parle d'entretien intérieur, on parle à savoir à balayer les planchers jusqu'à aller remplacer les fenêtres ou à laver les fenêtres. En tout cas, il y a beaucoup de travail qui est fait, comme qu'on fait tout chacun de nous autres à la maison. Ensuite, on a les participants ici, ils sont très vaillants. Les hommes, vous serez surpris de les voir travailler sur ces silos. C'est impressionnant de voir que ces personnes à besoins spéciaux utilisent ici comme mieux que moi, parce que moi, je ne peux pas m'en servir. Puis de voir la productivité qu'ils peuvent, la concentration de leur travail. C'est merveilleux de les voir parce que, surtout quand ils travaillent, ils sont concentrés à leur travail. Puis il y a juste ça qui existe. Quand ils sont sur les scies, ils sont attentionnés comme... Moi, j'ai déjà travaillé avec des gens normaux, j'ai travaillé pour le collège communautaire, mais c'est pas en tout la même chose qu'eux autres, parce qu'eux autres, ils sont tellement intéressés que quand ils savent ce qu'à faire, ils font. On n'a pas besoin de regarder, on les supervise, mais ils savent quoi faire et comment bien faire. Puis ils font partie de la communauté. On fait des piquets d'orpentage, comme que vous avez vu. Je sais pas ce qui s'est passé, on en faisait plus parce que c'était les besoins dans l'autre. Mais présentement, tu sais, ils font tout avec des gadgets, ça fait qu'ils ont beaucoup moins besoin. Mais on en fait tout de même un peu. On les tient occupés. Les gens personnels qui sont vraiment créatifs. Qui va essayer de voir à chaque jour et relever le défi à savoir qu'est-ce qu'on lui fait faire pour que ces personnes-là soient valorisées. Ça me ferait parce que moi, je pense à Raymond qui n'est pas ici encore récemment. Puis que tous les vendredis, c'est lui qui s'occupe de nettoyer la toilette des hommes derrière. Puis c'est lui le vendredi quand il arrive, là, aujourd'hui, j'ai la toilette. Puis c'est pas vrai qu'il va partir sans que la toilette soit nettoyée. Puis il fait du beau travail. Là. Ils sont tous comme ça. Il y en a qui ont plus de besoins, mais ils ont les aptitudes. Puis quand on peut aller chercher les aptitudes de chacun, ben, ça fait une équipe de travail, puis ça fait une équipe d'entraide. Ça fait que c'est très important pour eux autres de venir à l'atelier, de pouvoir participer à la vie de communauté, à faire des choses que la communauté a besoin. On fait de l'artisanat, c'est merveilleux pour eux autres de voir qu'ils vont passer dans une maison, puis ils vont dire « Ah, ben c'est nous autres qui ont fait ça ». Ça fait donc que c'est très valorisant, puis c'est de là que c'est pas, qu'on n'a pas plus de place, puis qu'on n'a pas plus d'argent. Ça fait que, moi pour moi, que vous êtes venus aujourd'hui fêter nos participants, venir voir l'atelier La Fabrique, c'est quoi l'atelier, on aime la visite. Ça fait continuer à venir nous voir, même si c'est pas toujours la journée de fête. Ça fait que là-dessus, moi, je vous souhaite de passer une belle après-midi. Puis merci encore mille fois de venir nous rendre visite. Pierre à Jean-Louis n'aimait plus que le vent. Pierre à Jean-Louis savait parler au vent. Il avait pris l'habitude. Bonjour, je m'appelle Janie Maigrat, j'habite à Inkermet et j'ai 21 ans. Je suis atteinte du trouble envahissant du développement non spécifique. Cela veut dire que mon cerveau ne va pas à la même vitesse, il est plus lent que la normale. Toute ma vie, j'ai dû face à l'adversité et à surmonter les obstacles et vécu l'intimidation.
J'ai commencé à faire du patinage artistique dès l'âge de 5 ans. Depuis en 2004, j'ai récolté 11 médailles d'or et 3 médailles d'argent sur la scène régionale, provinciale et nationale. Plusieurs médailles ont été obtenues lors des compétitions régulières, mais en 2010, j'ai voulu abandonner à cause d'un commentaire déplacé à mon égard, mais c'est grâce à Joanie Rochette qui m'a fourni le coup de pouce nécessaire pour poursuivre mes rêves. Car lorsqu'elle a perdu sa mère, en même temps qu'elle participerait aux Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, cela m'a fait comprendre que dans la vie, il faut toujours continuer et ne pas lâcher. Alors je me suis dit, même si tu as une condition différente, tu peux prouver à tout le monde que tu peux faire la même chose que les autres personnes qui n'ont pas de condition. En janvier 2013, j'ai eu la chance d'être choisie pour représenter le Canada en Pyeongchang, en Corée du Sud, pour faire le mondial en patinage artistique. J'ai récolté une médaille d'or en danse niveau 3 et une médaille d'argent en style libre niveau 5. Cela a été la plus belle expérience de ma vie. Ça m'a fait rencontrer d'autres athlètes et surtout réaliser que je n'étais pas la seule dans le monde avec ces conditions. Cet été, au mois d'août, je vais faire le commercial pour le golf au Rumpaktu près de Fredericton. C'est dans le sport que je vais rechercher mes forces et mes énergies pour continuer à foncer et aller plus loin. En septembre 2010 jusqu'à décembre 2012, j'ai fréquenté le collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans la péninsule acadienne de Caraquet dans le cours de cuisine professionnelle. Je n'ai pas pu le terminer à cause de ma condition. Mon cerveau ne me donnait pas la vitesse dont j'avais besoin pour accomplir les tâches demandées, mais j'étais très bonne en théorie. J'ai réussi mon cours de ACR, salubrité des aliments, cours de pâtisserie, et j'ai même réussi mon cours de conduite. Maintenant, je possède ma propre voiture que je me suis payée en travaillant sur des projets d'été. C'est grâce à ma persévérance, ma détermination, ma ténacité et surtout le support de mes parents que j'ai réussi à accomplir toutes ces belles choses de la vie, et je suis sûre qu'il y en a encore d'autres à venir. Prochainement, je vais débuter un emploi dans le magasin d'épicerie. J'ai rencontré l'assistant gérant et je lui ai expliqué ma condition et ils sont prêts à me donner une chance d'essayer. Quel beau cadeau que la vie me donne. J'ai vraiment hâte de débuter mon emploi pour permettre à pratiquer mes connaissances que j'ai acquises dans mes cours de cuisine. J'adore faire des petits rapides copieux. Je vous laisse sur une pensée. Il faut toujours avoir un but dans la vie et avancer à petits pas, c'est cela le secret de la réussite. En passant, j'aimerais remercier mes parents qui ont toujours cru en moi et supporté dans tout ce que j'ai entrepris. C'est grâce à eux que je suis rendue là où je suis. Merci beaucoup. Pour terminer, je voudrais souhaiter une bonne semaine provinciale de la sensibilisation à la situation des personnes handicapées. Merci. Sur le bas des chantiers, tous les hommes de la place ne s'en occupaient jamais. Et les enfants en grimace qui ont toujours trop d'audace, souvent de lui se moquaient. Merci Jean-Éric, qui est vraiment bon à monter et descendre du micro. On a toujours la difficulté avec ça. Merci beaucoup, Janie. Puis ça me touche vraiment parce que ça fait longtemps que je la connais. Puis en tout cas, elle a vraiment évolué. Puis vraiment devenue une femme maintenant, hein, responsable et autonome. Donc bravo encore. On va y aller avec la représentante de la ville de Tracadie-Shaila. On est à Tracadie. Puis on était vraiment content d'avoir la présence de Mme Vera Paulin qui va venir nous dire quelques mots. Monsieur le maître de cérémonie, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour.
Je suis heureuse de représenter M. le maire qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. D'avoir le lancement provincial de la semaine de la sensibilisation à la situation des personnes handicapées, soit la SSSPH, est un honneur pour notre ville et toute la région du Grand Acadie-Shiloh. Déjà, beaucoup de travail a été fait pour sensibiliser la population à tous les types de handicaps avec lesquels vivent des personnes de tout âge. Chacune de nous est différente et ce qui est important, c'est de respecter les autres comme ils sont. Continuons tous ensemble le beau travail qui se fait déjà. Bonne fin de journée et bravo au réseau Musée Péninsule Acadienne. Merci. De compter sur ce prélude. Bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui comme membre du Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées. Les gens me connaissent et connaissent mon engagement envers les personnes handicapées car c'est un dossier qui me tient à cœur depuis des années. La province du Nouveau-Brunswick met sur pied des programmes adapter des services et bien d'autres projets pour appuyer les personnes handicapées. Le bureau du Conseil du Premier ministre est tout désigné pour trouver l'information nécessaire dans notre belle province qui s'est dotée au cours des dernières années d'organismes ciblés pour venir en aide et répondre à la population à besoins spéciaux qui se situe à 13%. Ce que je veux dire, c'est à peu près 13% de personnes qui un handicap quelconque. Depuis 2010, les intervenants communautaires appuyés des membres et le personnel ont priorisé 41 recommandations au document. Ici, on ne peut passer sous silence l'excellent travail accompli par le personnel du bureau de Fredericton depuis 26 ans. J'en profite pour vous présenter en arrière Jennifer Ben Richard, directrice générale, Laurie Michou, directeur général adjoint. Pour terminer, je m'adresse personnellement à Rachel Robichaud, directrice du réseau Musée de la péninsule acadienne, qui a su mener à bon port ce lancement, sans oublier son équipe du tonnerre. À vous tous, un gros merci. À toutes les personnes qui ont eu ou qui auront de besoin d'aide et d'appui dans leur communauté pour mener un jour leur projet de vie. À vous tous et surtout à vos familles qui sont votre appui au quotidien. Merci et bonne journée dans la joie et dans la fraternité. Bonne semaine. On aurait dit un enfant.